le privilège d'être connectés en famille. Et ça, c'est une grâce. C'est une grâce que nous voulons apprécier. Aujourd'hui, il y a une personne qui n'est plus seule, qui sait qu'à n'importe quel moment, elle a une famille qui la porte en prière. Nous ne voulons pas passer sur ces détails, parce que ce ne sont pas des détails, c'est l'expression de ta grâce. Ça aussi, c'est l'expression de ta grâce. Et nous voulons apprécier ce privilège que nous avons. Merci d'avoir fait tomber les barrières. Merci de nous avoir soudés. La Bible déclare dans Actes que Pierre était en prison et pendant qu'il y était, l'Église ne cessait d'adresser des prières. C'est la puissance des prières de l'Église qui ont emmené le Seigneur à envoyer un ange à Pierre pour le délivrer de façon miraculeuse, le faire sortir avec puissance de la prison. Et nous te bénissons parce que pendant que nos voix sont en train de monter vers ton cœur, plusieurs sont en train d'être libérés de la prison de la solitude, de la prison du désespoir, de la prison du suicide. Les barreaux des prisons, les chaînes sont en train d'être brisées à cause de ce que tu nous donnes, le privilège et l'opportunité d'élever la voix vers toi comme une famille. Seigneur, nous te bénissons. Certaines personnes n'avaient pas la force ce matin, mais alors que nous sommes en train de prier, tu es en train de leur communiquer une force qui vient de toi, la force surnaturelle, la force d'espérer. Jésus, 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 sois salué, sois salué, sois béni, sois élevé, sois glorifié, sois exalté. Papa, que ton nom soit loué d'éternité en éternité. Quelqu'un se débattait devant sa situation, mais tu lui as apporté du réconfort à travers ce temps de prière. Et nous bénissons ton saint nom. Nous célébrons ton nom magnifique. Nous glorifions ton nom merveilleux. En ce qui nous concerne, c'est un privilège pour nous d'avoir des bien-aimés dans toutes les nations de la terre qui parlent le même langage que nous. Seigneur, nous prions que tu puisses bénir chaque personne. Chaque personne. Chaque personne qui a interrompu son sommeil, qui a interrompu son activité, qui est même au travail, comme cette sœur qui me montrait sa patte de pâtissière, mais qui était quand même connectée, alors qu'elle était en train de faire la farine, de travailler la farine, qui était connectée, qui ne voulait pas laisser ce programme lui échapper. Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes ces personnes qui sont en train de travailler, mais qui se connectent par amour pour toi, parce que tu as mis ton amour dans leur cœur. Que ton nom soit béni. Jésus, tu es le Dieu qui vivifie. Tu es le Dieu qui relève. Tu es le Dieu qui encourage. Tu ne rejettes pas. C'est vrai, tu n'aimes pas le péché. Mais Seigneur, ton amour pour les hommes est tel que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce a surabondé. Et ta grâce rétit quelqu'un du péché ce matin. Ta grâce oriente quelqu'un sur la bonne voie ce matin. Ah, ton Père, nous sommes bénis de ta voix. Nous sommes bénis de te connaître. Nous sommes bénis de t'appartenir. Et c'est une fierté pour nous d'être réveillés et de crier sur les réseaux sociaux que nous avons un Père céleste dont nous sommes fiers, dont l'œuvre est magnifique, dont l'œuvre est merveilleuse. Que ton nom soit béni. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit béni. De l'Europe en passant par l'Afrique, par l'Asie et par tous les autres continents, que ton nom soit béni. Jésus soit célébré, Jésus soit honoré, Jésus soit glorifié, Jésus soit exalté. Jésus, 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 un seul nom, que ton nom soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pierre donc était gardé en prison et l'Église ne cessait d'adresser des prières en sa faveur. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais te saluer au nom de Jésus, bénir le Seigneur pour ta vie, te rappeler que tu es le Gédéon de ta famille. C'est pourquoi même quand tu es épuisé ou quand tu te trouves trop petit, sache que le Seigneur a trouvé bon
de t'utiliser toi pour être une source de bénédiction, un point de contact pour ta famille. Que Dieu te bénisse. Même si tu es en position shawama, sache que tu es quand même Gédéon de ta famille. Gédéon a dit, je suis le plus petit. Gédéon se trouvait insignifiant. Mais en tout cas, aujourd'hui, je te concède la position shawama. Bien-aimé, même si tu es en position shawama, même si tu te débats pour prier, même si tu dors que tu te réveilles, tu es le Gédéon de ta famille, celui par qui Dieu restaure toute la famille. Que Dieu te bénisse pour ta persévérance, que Dieu te bénisse pour ta présence, que Dieu te bénisse, bien-aimé, pour ton endurance, et que le Seigneur se souvienne de toi, qu'il relève ta tête, qu'il relève ta tête, Amen. Qu'il t'honore en public. De même que tu payes le prix dans le secret, que le Seigneur t'honore en public dans ta famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, qu'il en soit ainsi. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta maison, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse le fruit de ton travail, qu'il bénisse l'œuvre de tes mains, qu'il bénisse tout ce qui te concerne dans le nom de Jésus. Que la bénédiction du Seigneur soit ton partage et que le Seigneur ne cesse de faire lui sa face sur toi. Au nom puissant de Jésus, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Et quelqu'un va donner un bon Amen. Alléluia. Amen.